Là, j'aidant, je suis certain que l'inconnu est plus grand que le connu. Et deuxièmement, que je ne finirai jamais de savoir. Troisièmement, je vais être méchant. Les religions qui pensent tout savoir, elles se trompent. Tiens. Parce qu'elles sont en face du mystère. Pour ce qui me regarde, moi, le Christ n'a pas tout dit. L'Évangile n'a pas tout raconté. La Bible n'est pas la somme de toutes les histoires du monde. La religion catholique n'est pas la seule qui puisse en quelque sorte dire qu'elle sait tout. Et je suis donc devant, à la fin de vie, en face d'un mystère qui est celui, le mystère de la connaissance, et madame, le mystère de la mémoire, toujours inachevé dans son action. Je suis en face de l'inachevé, à 98 ans, et j'aime ça. Parce que je suis... Parce que je suis certain que, tout en respectant chacune, chacun de vous, je suis certain que vous ne viendrez pas à bout de tout ce que vous voulez savoir. Et je suis certain que le dictionnaire Larousse ou Robert ne sait pas tout. C'est que, et devant l'humanité qui s'ouvre à toutes les dimensions possibles, la rencontre des religions, la rencontre des civilisations, la rencontre des peuples, la mondialisation fait que tout à coup, et je suis très fasciné par les jeunes qui, devant tout cela, Facebook, tout ce que vous voulez, veulent tout faire tout de suite, immédiatement. Et évidemment, c'est une suite d'échecs, mais tellement de bonne volonté, ce n'est pas un échec, ce sont des étapes à l'intérieur de la connaissance. Et je crois que, je vous écoutais tout à l'heure, je pense à M. le Duc, et je pense à vous autres. Nous sommes en devenir. Nous sommes tous en devenir. Cessons d'avoir raison. Alors, je me tais.